Petite sortie entre Port de Bouc et Fos. Ici, c'est Castillon. Voilà. Partie Port de Bouc. Joli coin là. Et première sortie en VAE de l'année 2024, puisqu'on est le 2 aujourd'hui. Et là, j'ai peur l'autre en bas avec ton vélo. Merde. Et là, on va attraper le chemin. Direction Langonnier, c'est le petit étang rose. Ah, l'étang de Langonnier. Et là, je suis côté Fos, je suis sur le plateau de Fos. Extrémité pour la Farge, au-dessus de la Farge, au port de Bouc. Le golfe de Fos en face. D'ailleurs, je vais vous montrer une belle vue. Et je retrouve le chemin. Voilà la belle vue. Fos, ça va. Les carcelons métal, des usines, tout ce qu'il faut. Et le golfe de Fos. Les marais salants. Qui servent pour les oiseaux, hein, c'est tout. Et l'étang de l'estomac. Alors, l'estomac toujours. Tout à l'heure, j'étais au pilon qui est là-bas au fond, droit devant là-bas. Et bien, là, on est à l'opposé. Pas grand monde aujourd'hui sur le chemin qui fait le tour. C'est toujours bien fréquenté, ça. Hein. Allez, je vais de l'autre côté de Fos maintenant. J'ai traversé tout le plateau. En passant par le coin des Biquettes. Les Biquettes, c'est une petite ferme.
C'est souvent des cochons, des chiens, un peu de tout dehors. Et bien aujourd'hui, il n'y a pas d'animaux dehors. Il y a un gros cochon noir là-bas en bas. Ils sont dehors là, mais enfin, mais ils sont pas en liberté. Les chiens. Pas sourd les chiens. Le plateau de fosse, il faudrait une vue d'avion ou des drones pour se repérer. Sur la longueur, il y a 3 ou 4 grands axes plus ou moins parallèles. Et en travers, il y a tout un tas de passages, de petits chemins, soit bien dégagés comme ça, soit dans les ronces. Donc ça sort hein, quand même. Voilà, j'arrive à l'autre extrémité du plateau, côté Stade Parsemain, la route d'Istres. On s'en sort. On a le sens de l'orientation, sinon on tourne en rond. Hein. Là, je vais à Fosse-Ville, côté Intermarché. Faire du repérage. Et là, on débouche sur l'étang de la Val-Duc. Et là, en contrebas. Percevoir là. Voilà. Temps de la Val-Duc à droite. Voilà. Dinosaure devant.
là. Le moins qu'il est là. Et là, j'arrive à Saint-Blaise. Avec les teintes de 6-10 à gauche. Magnifique bâtiment qu'ils ont fait là. J'ai jamais vu personne dedans. Une espèce de musée. Je pense pas passer par là. Tiens. L'étang d'Avalduc à droite. Tout à l'heure j'étais sur l'autre rive. Là-bas, sur le bateau de fosse. Là, ça va jusqu'à Port-de-Bouc. Garde-Fosse. Le quartier s'appelle Garde-Fosse. Mais la Garde-Fosse est bien la fosse. Là, cette fois à droite, c'est Langrenier. L'étang de Langrenier. De Saint-Blaise à Port-de-Bouc, cette piste-là, le chemin, il est plat, il fait 5 km à peu près. Il faut se méfier, il y a souvent des groupes à pied, hein, des groupes ou du monde, quoi. Il vaut mieux avoir une sonnette. On a ensemble aujourd'hui, on a fait le tour complet des deux étangs d'affilée, Langrenier et la Valduc, avec un passage à Fosse. Je ne vais pas tarder à arriver, il reste 2 km à tout casser. Je vais refaire encore une fois la petite descente. Et voilà, pour aujourd'hui c'est terminé. Ça fera 31-32 km.